Bonjour à tous, Salim Benouna, auditeur financier au sein de la BUPEPS. Donc, j'ai intégré le cabinet Laurent Corton il y a bientôt 4 ans à la suite de mon stage de fin d'études. Donc PEPS, Public Économie Sociale Protection Sociale, c'est une plateforme multisectorielle qui s'adresse à l'État, aux collectivités. Nous sommes d'ailleurs les auditeurs de la plus belle ville du monde qui est Paris. Concernant l'économie sociale, nous allons intervenir sur des activités de logement social, du médico-social. Et enfin, concernant la protection sociale, nous intervenons sur des organismes de sécurité sociale, des caisses de retraite et enfin des assurances et des mutuelles. Parce que j'ai un vrai attrait pour le secteur public. Avant d'intégrer Grand Horton, j'ai eu une première expérience dans une communauté d'agglomération. J'ai pu découvrir le monde des finances publiques, ce qui m'a beaucoup plu, compte tenu des riches spécificités qu'on pouvait y rencontrer, mais surtout pour le sens que je donnais à mes missions. Pendant mon entretien de recrutement, on m'a parlé des valeurs partagées au sein de PEPS, du côté humain, de la bienveillance. Je l'ai rapidement découvert lors de mes premières missions et donc j'ai décidé de poursuivre l'expérience après mon stage de fin d'études. Parce que mes missions au quotidien ont une finalité sociale et citoyenne, l'objectif de la BU est d'œuvrer pour une meilleure transparence financière des institutions publiques et c'est ce côté social, citoyen qui est très important pour moi et qui est un vrai leitmotiv. Parce que PEPS, c'est une BU à taille humaine, au sein d'un groupe à renommée internationale. C'est un paramètre très important dans le cadre de la formation et de l'apprentissage des collaborateurs. Parce que l'on va vous faire confiance et parce que vous serez accompagnés, suivis et encouragés à accomplir de belles choses pour la société en œuvrant pour une meilleure transparence financière de ces institutions. Effectivement, donc, la BU a remporté la mairie de Paris, donc c'est une grande fierté pour tous les membres de la BU. Donc effectivement, j'ai la chance et l'opportunité d'intervenir sur ce dossier qui est très atypique et qui sera très formateur pour tous les membres de l'équipe. Donc moi, en tant que senior sur le dossier, je vais accompagner les équipes dans les différentes phases d'audit. Donc là, actuellement, on est sur la prise de connaissance des process, des différentes directions de la ville. Et mon rôle sera bien évidemment amené à évoluer au fil de l'évolution de l'intervention.